Ça, c'est la terrasse de la maison Dubé. Et c'est devenu une coopérative de l'État, un magasin recommandé de l'Office national de l'artisanat depuis 1957. Venez par là. Ça, c'est les Tunisiens qui ont fait ça. C'est pas des Chinois. Voilà. Merci. Bonjour monsieur. Tous c'est des Tunisiens qui ont fait ça. Bien sûr. Ici c'est l'ancien maison Dubé de Tunis, monsieur. Dubé c'est à Rouach, c'est à gouverneur. Mais depuis l'indépendance, c'est l'Office national de l'artisanat. C'est étatique, c'est pas prévu. Et soit c'est notre invité là. Ce sont vos invités. Là, vous avez le roi du Maroc. Du Maroc, Mohamed VI. Bétinocratie, vous tapez la reine Sophie, vous étiez Bourguiba, Carlos Son d'Argentine, le roi de Qatar, le roi de l'Arabie Saoudite, qui est un d'Égypte. Et ainsi que vous aujourd'hui, l'année prochaine, vous trouvez votre famille. De quelle région de la Belgique vous êtes? Bruxelles. Ah, si je vous dis, j'étais même en Anvers. J'ai mon frère et il vit à Ostende. Oui, à la plage, à la mer. À la plage, c'est... Ah, il y a une terrasse aussi? Bien sûr, c'est... Vous êtes chez vous, monsieur. D'accord, merci, chef. Merci, le patron. Non, je ne suis pas patron, moi, je suis ouvrier. Ah, t'es ouvrier? Je crois que tu parlais comme un patron, je pensais que tu étais patron, moi. Il n'y a pas de patron, ici. Il y a des clients de la coopérative. Tu parles comme un homme d'affaires. Tu diriges la boutique, comme ça, tu vois. Il faut connaître, hein, ça là. Oui. Voilà. Ah, c'est le panorama, oui. Voilà. Ça, c'est du patrimoine. C'est de l'ex-palais royal, cette maison-là. Là, j'ai presque 500 ans. Toi, tu habites ici? Oui, j'habite ici. Quand je reviens, tu peux me faire la visite de tout. Tu me laisses ton téléphone, je t'appelle, on se fixe un rendez-vous. Et on s'arrange après. Donc, ça, c'est la maison du Bé, hein. Hey, c'est le café en face, là, c'est ça? Voilà, ça c'est le café. Ici, on peut voir la vieille ville avec les monuments historiques les plus importants. Et on va commencer par la fameuse minaret de la mosquée des Itenas. Il faut venir à 1h30. C'est la fameuse mosquée qui a été bâtie depuis 1400 années. 1400. En 680 exactement, elle a été bâtie. Et c'est marqué comme patrimoine mondial au UNESCO aussi, il est protégé. C'est la même. Oui. De l'autre côté, il y en a une autre minaret dans notre deuxième mosquée, c'est l'octogonal, vous voyez. C'est une mosquée ottoman turque qui s'appelle la mosquée de Hamoud Abesha. Il a été bâti en 1797. Tu connais bien, hein, les dates. Ma ville natale. Juste un petit peu, ici à côté de nous, il y en a ces deux coupoles en blanc. C'est ce qu'on appelle en arabe la madrasa. L'école. Ça veut dire une école coranique ou bien religieuse. Elle a été bâtie en 1630. D'accord. Pas très loin de nous, à l'avenue Bourguiba, la rue principale. C'est une cathédrale Saint-Vincent. Ça, ça j'ai visité ça. C'est en face de l'ambassade de France. Elle a été bâtie en 1580. Elle était déjà toujours fermée, mais là, elle était ouverte. Là. Elle ouvre que le dimanche. Ah, le dimanche. Le matin seulement. Parce qu'il n'y a personne qui vient. La dernière à vous montrer. Le plus important, le bâtiment en verre avec les vitres. Là. La coupole, en verre. Le fameux laboratoire où il y en a une famille tunisienne qui a commencé à travailler depuis une cinquantaine d'années dans le domaine des extraits naturels du parfum ou bien les espèces de la maternelle en bicama. Sans alcool, sans chimie, cette famille. Elle a réussi à faire beaucoup de succès, même depuis une vingtaine d'années. Ils sont en train d'expédier leurs fameux produits vers un endroit en France. Voilà. Alors, celui-là, c'est une droit parce que le vin avant déjà marié avec 4 femmes, c'est pas la foi. Hein. Quatre femmes à la fois et... Non, c'est pas à la fois. Chaque nuit, une femme, là. Tout celui-là, c'est bois de cheddar d'Ori. C'est un lit vénézien d'origine. Hein. Et depuis l'indépendance, cette maison-là est devenue la plus grande coopérative depuis. Hein. Et cette coopérative, il est vendu en gros pour tous les commerçants de toute la Tunisie, mais en plus, c'est une expédition pour tout le monde entier, là. Ouais. Parce qu'à cause de la fête du...